salut tout le monde. Bon, je vais parler un peu plus fort, comme ça vous allez peut-être m'entendre. Bon, ben, ouais, juste comme ça, en passant. Donc, là, vous voyez un petit peu voilà, l'intérieur du Lonestar. Mais la vision un peu différente qu'il y a par rapport à. Par rapport au 1880 chez Kenworth ou au 567 chez Peterbilt. Donc là on s'en va direction Bolton, Ontario, à côté de Toronto. Là je suis parti de Val-d'Or. Je viens de passer Rouyn-Noranda. Il manque direction. Direction sud. Alors je sais plus qui m'avait demandé combien j'avais de chevaux dedans. Donc c'est un Cummins, un X15 et j'ai 565 chevaux. Donc ouais voilà, bon, ça roule pas mal. C'est confortable. C'est vrai qu'on est. On va ralentir un petit peu quand même. C'est vrai qu'on est bien porté dedans. Il y a de la place. Et moi personnellement j'aime bien la gueule. Même si c'est un récent, il a quand même la gueule d'un ancien. Donc j'aime bien son. J'aime bien. À voir. Donc bon, c'était juste comme ça pour discuter un petit peu avec vous, pour vous montrer que vous puissiez voir la différence avec avec les autres camions tant qu'à faire. Là j'ai reposé la caméra sur la couverture du siège passager, comme c'était mis dans le 1880. Bon, bah, comme ça vous pourrez voir par vous-même la différence entre le 1880 et puis le Lonestar. Ce matin j'ai vu mon patron, j'ai eu William, de toute façon je peux le citer parce que voilà, c'est vu avec lui. Quand j'avais discuté des vidéos et tout ça, il m'avait dit bah ouais d'accord, ok. Il m'avait dit aussi bah, que je pouvais parler de la société, qu'on pouvait voir le logo WRS. Il m'a dit une chose aussi, c'est que j'étais prêt à faire venir des Français qui se renseignaient justement pour faire venir des Français. Et il m'a dit aussi que d'ici quelques temps, alors quand je ne sais pas, il m'a dit aussi que d'ici quelques temps, il allait certainement faire un recrutement en Europe. Il allait se déplacer. Par contre, quand, je sais pas.
pas me demander quand il vient, est-ce qu'on peut venir, est-ce que. Je sais pas. Là, franchement, j'en sais rien du tout. Donc je pense que quand il sera à même de venir faire un recrutement en France, je pense qu'il en parlera. Donc à ce moment-là, j'essaierai de vous mettre ça au rapide pour que vous soyez au courant. Pourquoi avoir la vidéo qui sorte après le recrutement, tant qu'à faire. Ça serait ridicule. Donc, dès que j'ai des nouvelles plus que ça, je vous en parlerai. Mais bon, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, vraiment. Alors, est-ce que ça va se faire cette année? Est-ce que ça va se faire l'année prochaine? Est-ce que je sais pas du tout. Vous pouvez vous tenir au courant de ça aussi. J'ai rencontré vendredi début après-midi monsieur pardon monsieur Dom Le Lorrain qui est arrivé aussi chez WRS. Rencontré vendredi, on a discuté un bout, bien sympa, ça fait un abonné de plus de rencontrer. Maintenant, celui qui me reste à rencontrer, c'est la Véronée. Et puis William aussi. Je connais pas encore, j'ai pas encore vu. Mais bon, ça. On va bien se rencontrer à ce croiser de ces jours. Et puis aussi, ouais, il y avait la question de savoir si j'avais rencontré CEP 1 et CEP 2. Ouais, plus d'une fois d'ailleurs. CEP 2, ça fait deux ou trois fois. Trois fois, je pense. Ouais, trois fois. Et CEP Parabraise, ça fait une fois, bon, ça doit faire 4-5 fois qu'on se croise avec CEP. Et donc, quand ils viennent comme ça, bah, on s'arrange pour se rencontrer et puis. Ben voilà, j'ai discuté un petit peu, passé un peu de temps et puis ben surtout quand s'ils sont plantés les week-ends quoi, s'ils font un 36 sur par exemple un 36 sur Val d'Or puis que ou Elrico ou moi sommes là, bon ben voilà. Ouais, c'est quand même un peu plus agréable de passer un 36 avec, avec quelqu'un qu'on connaît déjà un peu que de passer tout seul dans son camion. Enfin voilà. Bon, bah sur ce, bon, je vais vous laisser là parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Je vous mettrai peut-être en route tout à l'heure quand je serai arrivé en Ontario. On va voir ça.
pas. Salut tout le monde. Bon, je suis arrivé chez mon client. Puis je lui ai dit de vous faire une petite vidéo du camion le soir. Alors vous allez comprendre pourquoi je voulais faire une vidéo du camion le soir ou quand la nuit était tombée. Regardez. Regardez le camion, comment il est beau. Ah, ça va, c'est bon, je déconne. Allez, dans le sens. On va y aller comme ça tout doucement. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je voulais vous montrer le soir ce que ça donne. Bon bah la remorque, voilà quoi. Et voilà, c'est vis-à-vis du truc que je voulais vous faire voir. Là, je suis arrivé chez mon client, je suis en Ontario, à côté de Toronto. Et voilà ce que ça donne. Le soir. Alors c'était surtout pour ça que je voulais vous faire un petit truc le soir quoi. Voilà. Alors je sais bien qu'on n'y voit pas grand chose, mais c'était juste pour les loupiotes. Voilà. Je l'ai eu comme ça. Je l'ai eu comme ça. Donc voilà. Bon bah un petit 2 minutes et puis ouais bah c'était juste pour vous montrer ça. On va vous montrer ça comme ça. Voilà. Bah c'est bien. Bah sur ce, je vous laisse et à plus. Moi j'aimerais manger le morceau et puis je vais aller me coucher. On va pas bien. Hein. Un peu quand même. Bah de toute façon, je leur montrerai hein, en journée ce qu'ils donnent quoi, exactement. Voilà. Bon allez, je vous laisse. Allez, bye, à plus.